La Fondation Droit, Animal, Éthique et Science a pour objet de faire progresser la condition des animaux, les droits des animaux, grâce au progrès de la science traduit dans les progrès du droit. C'est une grande ambition, c'est une ambition permanente qui s'exprime notamment à travers des colloques internationaux que nous organisons et qui permettent de rassembler les experts du monde entier pour faire progresser la condition animale. La LFDA s'intéresse à tous les animaux, vertébrés comme invertébrés, sauvages comme domestiques, en écartant tout sentimentalisme et anthropomorphisme. La LFDA ne se limite pas à dénoncer les effets de situations dommageables à l'animal, mais s'attaque rationnellement à leurs causes afin de les faire disparaître de manière durable. Il y a 30 ans, il était interdit d'indiquer le mode d'élevage des poules sur les boîtes d'œufs. Et nous avons créé une association de consommateurs. Et nous avons obtenu le règlement européen de 1985 qui rend obligatoire la mention du mode d'élevage. Depuis, le marché de l'œuf de poule élevé en plein air s'est développé et il atteint aujourd'hui 40% du marché de l'œuf coquille. Et surtout, ce sont des millions de poules à qui l'on a évité la cage et qui peuvent vivre dans des conditions conformes à leurs besoins physiologiques et comportementaux.